Bonjour à tous, c'est Jackie Bourne. Très heureux aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, épisode, on est en Fiat Abarth 500 faite par Monsieur Luc et reskin par Monsieur Thibaut Callot. Elle a été reskin il y a 2-3 jours et c'est un magnifique véhicule que je me suis dit, pourquoi pas la sortir, enfin une petite patrouille avec. Donc Fiat en véhicule mini, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc voilà, petite vidéo en Fiat Abarth. Il y a deux policiers municipaux, moi je suis avec Monsieur Rafale. Et le truc qui est parfait avec cette bagnole, c'est qu'on peut mettre des suspects à l'arrière, donc c'est parfait. On va partir faire une petite patrouille avec ce véhicule qui est quand même mine de rien, il paye pas de mine, il est quand même assez rapide. Et donc voilà, donc le petit tour du véhicule, ce qui ne fait par calo. Ça va, plutôt sympa, plutôt sympa. Petit giro évidemment bleu et rouge, typique de Luc. Et donc voilà, moi je vous retrouve très bientôt dès qu'on a une petite entaille. Police pour civil. Transmettez. Je me suis fait tirer dessus au niveau de Saint-Louis de 5 hommes à bord d'un Cayenne noir. Macan noir. D'accord, bien reçu. Ils vous ont tiré dessus dans quelles conditions? Là, je suis parti à l'aéroport. D'accord, bien reçu, on arrive, monsieur. Coup de feu à Saint-Louis, faut y aller. Ils recherchent mes collègues, hein, au niveau de Saint-Louis. C'est bien ça! Je vais appeler votre directeur! Monte, monte! Coup de feu à Saint-Louis. Je suis là! Et qui a? Coup de feu à Saint-Louis. Ouais, y a une team de bonnets là! Encore des Je fais de kékés. la merde depuis tout à l'heure. Et vache, ma radio est de nouveau opérationnelle. Ah, c'est ça. Non, c'est La pas ça. barre, putain. On dirait le futur. Le tufu, le turfu. Un cadavre. Véhicule au fond, un mort. Monsieur! Monsieur! Axe à droite. Monsieur, on s'est fait tirer dessus! Ouais, ils sont Et les partis où? personnes qui vous ont tiré dessus, elles sont où? Elles sont dans la maison bleue là, en face, dans la maison là. C'est qui la voiture? Attends. Sur l'abdo. Les gars, j'ai balancé la position du mec. On voit rien qui t'a le phare. Mais oui, mais c'est moi qui ai dit à la police qu'on s'était fait tirer dessus. Dans la Alors, il y a maison. des packs derrière, hein, t'entends? C'est le mec qui... Mais oui, d'accord, mais c'est le mec qu'on vient de parler. Ah là, juste là, juste là. Soir? Monsieur, monsieur, au secours, on se fait tirer dessus. Courez, courez, courez. Protégez-nous. Ah mais ils sont où les tireurs? Monsieur, je mets les mains en l'air, moi je m'en fous, mais Où protégez, les il y en a qui est tireurs, parti monsieur? là-bas. Il y en a un qui est parti là-bas, là, et je l'ai croisé en partant. Là-bas, 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 là-bas. Montre, Aval, montre. Les collègues, c'est bon, ils sont avec moi, les policiers. Peux Vas-y. monter? Non, pas vous, pas vous. Vous, allez voir votre collègue, monsieur, venez pas avec nous. Les gars, quelqu'un peut venir Restez me chercher? groupés. À gauche, ça c'est pratique les lampes. Ouais. Le service de la DS Garcia en attente d'affectation par Oscar, bonjour à tous. Bonjour Garcia, on a eu des coups de feu sur le secteur de Saint-Louis, on vous laisse plonger dans le véhicule. C'est reçu. Monsieur l'agent, c'est moi qui vous appelle. Oui d'accord. Le monsieur qui est sur le rond-point là-bas, il est mort par balle? Je sais pas. Monsieur, monsieur, Oui. pour Oui. information, il en restait un, moi je l'ai croisé en cachant. Il est Il est parti où? par là. Dans la pampa, moi, à Ok pied. d'accord, on va checker, merci. Ouais, go dans la pompe alors. Attention, le monsieur est peut-être mort par balle, monsieur le pompier. Ouais, vous inquiétez pas, je vais faire. Si tu veux quelque chose, dis-moi. Ah. De toute façon, là, s'il va aller, s'il est pas de bagnole, c'est qu'il va aller au garage de la Trinité. Ah, en même temps, ça n'a pas d'identité. Attends, faut qu'on aille leur demander s'il était pas en véhicule, le mec. Je sais pas c'était quel véhicule qu'il avait. Ouais, faut le demander.
Ah, mais ils sont repartis, ouais. Ils sont barrés en Audi bleu, les mecs. Dans la Alors, catégorie. mais c'est le véhicule qui reste, hein, dans la logique. Mais il y a trois véhicules là, attends, on regarde les packs de tous, puis attends, s'il y a je un. vais voir l'autre véhicule, j'arrive. Vas-y. Attends, Corentin sur. On va se mettre avec ça. Ça. Il y avait un véhicule au milieu de la route avant. Hein. Au fond. Au fond. Ouais, vers ici. À monter. Olivier Bleu, Olivier Boss, Clément Lorque. Je crois que c'était les mecs de tout à l'heure, ça. Non, je pense pas. Si, si, parce que le gars, j'ai flashé la Audi bleue, c'est ça correspond, ça correspond à lui. Vas-y, mets-le en fourrière, mets-le en fourrière. Ah, okay. Je vais la supprimer. Vas-y. Regarde, c'est quoi là. Je crois que la petite mini là, elle fait la méline. Ouais, elle est là-bas, elle s'est arrêtée là-bas, elle a coupé les feux. On va aller checker le son, il y a Garcia qui est devant, elle a dû la voir. Hop. Garcia pour commissaire. Respect. Continuez tout droit là en haut, il y a une voiture rouge suspecte, je sais pas ce qu'elle fait. Il s'est planté. Ok, c'est resté. Bonjour monsieur. Bonsoir. Oh, mettez-vous sur le côté monsieur s'il vous plaît. Véhicule, s'il plaît. Ouais, je me gare. Garez-vous monsieur. Garez-vous tout droit monsieur. Ils sont mobiles. Ah, c'est monsieur Brian ça. Ouais, non, c'est là. Pas moi. On vient de vous arrêter 5 minutes, monsieur. Vous étiez pas pendant Cayenne Noire il y a quelques instants? Ah, pas du tout. Pas du tout, pourtant moi je vous ai entendu lorsqu'on vous a contrôlé la Trinité là. Non, bah non. Ah, écoutez, j'ai. Si vous voulez, sur moi là, j'ai deux clés de véhicule, j'ai ma Peugeot 308 rouge et ma mini machin, je sais pas quoi, Cooper. Vous allez où là? Vous venez d'où là, monsieur? Et si vous voulez vérifier, monsieur, ma 308 rouge, elle est au véhicule d'hiver. Elle est encore garée là-bas. D'accord. Donc, vous voulez, là, donc je suppose que vous voulez du véhicule d'hiver? Oui. D'accord. Ok, d'accord. Très bien, très bien. Bon, on va se repartir, monsieur, mais soyez vigilants. Ok. Puis, le triangle gilet jaune, il est où? Mais je les ai, y a pas de problème. Et arrêtez de klaxonner pour rien comme ça, quand vous êtes passé dans la, dans Saint-Louis, monsieur. Ah merde, on a vu. Là, le triangle, hop, les Ok, jaunes. Parfait. Parfait, monsieur. On va se repartir. Ce n'est pour rien, monsieur. Ouais. Ouais, mais c'est parce que j'arrivais vite et il y avait le pompier en plein milieu. Garcia, on va à Trinité, on cherche. Quand on cherche des individus dans une macane noire ou des individus qui auraient pris la fuite à pied. Donc on check. Il y a des noms ou pas? Bah, non, malheureusement. Si tu vois que le gars est suspect. Ouais, macane noire. Le bleu. Voiture, voiture, voiture. 130. 130, c'est 50, dit. 137. En plus, c'est Nebug et O'Brien. Ouais. Oh, oui, c'est ça, par contre. Oh putain! Et what? C'est laquelle ma barbe? Celle-là, je crois. Celle-là, celle-là. Les gars, vous êtes relou les PM. Hein. T'as dit quoi, Garcia? On relou les PM avec leur sifflet. Non, mais c'est, ça me fait marrer. Ah, putain, ils partent en batterie vélo. Ah ouais. Excellent, excellent. Il faudrait que tu rajoutes des vélos aussi pour nous, Jackie. Ouais, effectivement. Oh non, non, ouais. Ça serait drôle. Genre, tu le verras jamais en vélo, de la merde. Mais tu sais, genre, ceux qui font de la merde, tu les pilles, tu les bannes. Tu bannes, tu fais un. Là, je pense qu'il est. Trinité, l'aéroport en vélo. Et où ton casque, ce salopio? Elle n'a pas de casque. Ouais, c'est ça. Ça va bien, bien. La casquette, elle est dure. Ça, c'est pas obligatoire de toute façon. Arrête au niveau de lui. Une casquette de sécurité, c'est ça? Ouais, bah ouais, c'est vrai, mon directeur, on a pas de casque.
On aura bientôt En des plus, ça badges existe. de pompiers. Ah, ok. Bah, pire, on prend le casque BMO. Non. Et voilà, t'as l'air malin, mon vieux. Magnifique. Et comme ah non, par mais hasard, bécane, ça. Y a On va que vite, Théo hein. qui est pas en... Ça, c'est le futur, ça. En vélo et qui se fait transporter par je sais pas qui. Ah, bah, bravo. Hein. Ah, bah, bien, bien, bien. Bah, ça se roule dessus en vélo là, ça c'est ça fait du vélo, ça c'est même pas en fer, super. Bien, bien. On voit quand même le courage. Attends, c'est la première fois que je leur autorise de la sortir. Hein. Oui, hein. Comment tu... tu tournes le guidon vers la droite après. Ouais. Non, bon, il faut déjà aller à l'hôpital. Il va mourir. Non, mais il faut déjà. Ouais, clairement. Il y en a qui vont se prendre la chaîne de l'autre dans la gueule, il va crever. Ah non, mais là, oui, genre, je me suis arraché toute la jambe. Il y en a certains qui vont partir en wheeling. Je me suis arraché toute la jambe avec la chaîne. Celui qui est en polaire, est-ce que tu peux faire une issue des autres? Ouais. Merci. Ah, moi je dis ça va partir en future miniature après. Parfait, non. Ça pourrait être marrant, j'avoue. Attends. On va caler tout ça. Voilà. Futur épisode en PM, moi j'ai ça. Futur épisode, les VTT. Elle est belle la PM, non? Ouais. Elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Les vélos et le Kangoo 1 de sortie, si ça c'est pas un beau portrait. Ça c'est le futur. C'est le Kangoo 1 quoi. Le Kangoo 1. Ouais, c'est le Kangoo 1. Pas de budget merde. À la PM. Je veux pas au Mario là-haut, sinon je le sors en PN, vous allez m'en rigoler. Et on a que ça, hein. Oh ouais, ça bon, on là, là c'est le futur. Respect. Bonjour monsieur. C'est en fait, c'est trop baisé, on se fait mal à chaque fois avec un vélo. Oui, clairement. Tu prends le vélo? Allez, c'est parti, police, on part en patrouille vélo. Non, non, non. En plus, j'ai une tenue de VTT là, en plus. Mais Jackie, il faudrait des petits casques de protection, Louis, ça serait top. Il a fait une course poursuite en vélo, Louis Garcia. Putain, c'est pas vrai. Avec Duval. Oh, t'étais allé jusqu'à 100 à l'eau. Ah oui, oui, je m'en souviens, c'était génial. Ah ouais. On était parti jusqu'à 100 à l'eau. Il fallait mourir 20 fois. Quand t'as une MP5 dans le cul. Par contre, il va falloir que tu rajoutes ça pour Louis, il adore ça. Pas bon, je vais faire une spécialité VTT. Voilà. Mais on va crever dans les courses poursuites. Parce qu'on VTT. Je les conseille très fortement d'en faire. Ah ouais, parce que dès qu'on rentre dans quelque chose, on ouais. se fait mal. Hein. Ça tourne mal. Surtout les dodanes, ça fait très très mal. Mais on fait comment? Il y a que ça, la bah, non, expérience. Bon allez, trêve de pavanerie sur vos magnifiques VTT, monsieur, en voiture. Ouais. Évitez de mourir, hein. Ouais. Déjà aller à l'hôpital, ouais. Jackie... On vous retourne le conseil. Ouais, Jackie... ça. Jacqui à l'hôpital. Jacqui, ouais. Depuis hier, tu fais que mourir. Hein. On dit ça, bon, ça va, ça va, ça va. Je critique pas, mais bon. Du coup, on a perdu la Bart. Ah, du oh coup, putain. Ouais. Bon, attends. J'ai coupé, attends, je regarde. YouTube, on va se fixer là-dessus. Moi, petit épisode dans la Bart, c'est ça avec les magnifiques démonstrations des VTT de la police municipale à l'instant. Nous, on se retrouve très bientôt pour une vidéo sur la chaîne. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, j'invite à liker, à vous abonner et à subscribe. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, que ce soit sur Terra de Fortnite ou sur un autre jeu. Et je vous dis à plus tard, c'était Jackie Bourne, kiss. C'est pas une ventilation là, monsieur, que vous avez, c'est un aspirateur. Hein. Donc YouTube, on se retrouve avec la Bart 500 2-3 jours plus tard avant mon dernier rec. J'ai récupéré la Bart 500 parce que tout le temps il s'est passé 2-3 choses. On est à l'hôpital, on accompagne un suspect qui, après une course vite, qui a eu. En fait, malheureusement, je lui ai tiré dessus avec mon taser et je pense qu'il avait un pacemaker, du coup, ça l'a tué. Et donc voilà, et là il a été réanimé par la protection civile. Et il va être ramené en garde à vue une fois tout cela fini. Et donc voilà, on va finir sa procédure de garde à vue. Malheureusement, j'ai pas pu vous rec la course suite parce qu'on a eu un petit souci. Hop. Ramenez le monsieur. Ok, c'est à le port, à le port. Vas-y, je t'attends là-bas. Vous avez dit quoi? Non, je sais pas, c'est la protection civile. Bonne continuation. Allez, du coup, je parlerai plus tard, monsieur sans famille, on a une intervention. D'accord, pas de soucis. Et lui, on en fait quoi? Vous pouvez juste aussi la... Ah bah après, vous voyez avec les infirmiers si vous pouvez le prendre ou pas, mais nous, on a donné le rôle aux infirmiers. Hein. Ok, d'accord. Bon, on va voir avec le médecin. Bonne journée. Merci à vous aussi. Bonjour, oui, donc c'est pour faire signer la décharge de garde à vue, s'il vous plaît. Ouais, ici. Merci, parfait, c'est bon, vous confirmez que c'est bon, l'état est stable. Ok, ouais, ok, merci. Merci, bonne journée. Bon, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est parti. Après le médecin, il est transportable. Bon, monsieur.
On va vous aider à vous relever? Ouais. Allez, 1, 2, 3. Voilà, allez, encore un petit effort, voilà. Bon, on passe à mes notes. Reprise de service de la patrouille des CR des effectifs à bord d'une Subaru WRX de 2011. C'est bien pris d'Oscar, en sachant que nous on sera disponible pendant à peu près 10 minutes pour la procédure d'arrestation. Donc monsieur, donc il est 16h33, vous êtes placé en garde à vue pour l'effet de refus tempéré avec cette vitesse supérieure à 50 km/h. Vous avez le droit de garder le silence, mais sachez que tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous face à une cour de justice. Vous aurez un avocat à condition que ce dernier soit présent sur l'île et qu'il soit accrédité par l'État. Vous aurez de la nourriture, des soins et de l'eau. Est-ce que vous avez compris vos droits, monsieur? J'ai bien compris. Sur compris. La tête. Ah, par contre, il faut le faire passer par les sièges avant. Bon, ça va aller. On tient là-dedans. Oh putain, c'est serré. C'est un peu serré, mais ça devrait aller, monsieur. Ah, ça, elle a rien. C'est claustrophobe. Là. Oh, allez. Un petit contact jambillé avec ce cher monsieur barbu. Ouais. Avec sa belle barbe, sa belle casquette, croquant. Ouais, on va se passer de vos commentaires, monsieur. Oh là là là, quel beau gosse. Une machine. N'arrangeront pas vos cas, hein. Après cas. Ah. Oui, c'est vrai. En faire tomber les minettes. En soulever les jupons. Je crois que monsieur voilà. Est là, monsieur de la philosophie. Ouais, c'est ça, je suis philosophe. Hop. Socrate, Platon, tout ça, vous connaissez. On connaît. Les cours de terminale, on connaît. N'est-ce pas? Hop. Vous êtes ici? Ok. Hop, attention, toujours à la tête, monsieur. Hop. Allez, c'est parti. Oh, ce siège est difficile à avancer. Ah bah, j'ai de grandes jambes, désolé. Bon, hop là. Oh là 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 là. Voilà lui. Hop. Donc monsieur, je vais vous démenoter, vous allez poser vos affaires à terre, vous allez aussi me donner une pièce d'identité, et ensuite vous pourrez reprendre vos affaires si elle ne présente rien de dangereuse. Je me mets tout nu du coup. Je vais prendre ma plaque, je vous laisse vous donner également les clés de votre véhicule s'il vous plaît. C'est déjà la fouille. Oh merde, pardon. Vous avez les clés de votre véhicule, mais reculez contre la vitre et mettez les... donnez-moi les clés. Et après vous reculez contre la vitre et vous mettez les mains sur la tête, ok? D'accord. Merci monsieur. Vous êtes bien sur la tête. Un utilisateur. Vous êtes bien sur la tête. Oui, c'est monsieur Max. Mais progressive. Je vais voir s'il n'y a pas un casier. Vas-y. Attendez. On va fouiller le véhicule. Monsieur Max. Oula, il charge beaucoup l'ordinateur, dis donc. Oui, charge. Ah ouais, ok, donc monsieur, l'effet. Conduite en excès de vitesse, un refus d'obtempérer, ainsi qu'une conduite en route. Oh, c'était pas moi ça, c'était. J'ai la vitesse, hein, si tu veux. Ouais, moi j'ai 204 au lieu de 130, de retenu. Ah, moi j'ai 210 au lieu de 130. Vas-y, bah on va garder ça. Alors, 210 au lieu de 130. Ça fait 205 vitesse retenue. Monsieur Callot qui me l'a dit. Ça fait 75 au-dessus. Ouais, 75 au-dessus. Donc, 75 sur 750. 56 000. Plusieurs feux grillés. Ouais, enfin, non, c'est les codes de la route, quoi. Ouais. On va dire là. Refus tempéré. Ouais. Ça fait 30 000. Plus. Ouais, non, c'est les codes de la route, 5 000. Ouais. Plus conduite dangereuse, 500. Plus conduite en route, 5 000. Conduite en route, ouais. Plus. Excès de vitesse. 75 fois 750, ça fait une amende totale de 103 750 €. Monsieur, est-ce que vous avez les moyens de payer? Oui. D'accord. Super. Donc dans ce cas-là, on va vous faire signer votre procès-verbal, on vous laisse venir avec nous contre la table. Hop. Donc votre véhicule sera gardé jusqu'à la prochaine tempête. Je vais vous présenter le procès-verbal, je vais vous laisser signer en bas à gauche.
Alors, 103 000, 750, je vais fixer comme ça. Interpol s'est lancé, mais dis donc. Ah non, mais l'ordinateur il est vieux, faut qu'on change l'unité centrale. Ouais, ouais, là. Windows 3750. Voilà, monsieur, c'est bien ça, je vous présente l'amende. Du coup, je rajoute sur Interpol ou pas parce que... Ouais, ouais, rajoute les faits en l'occurrence, ce sera ajouté dans votre casier judiciaire. Qu'est-ce que je veux dire, l'autre? Vous allez également faire l'objet d'un retrait de permis vis-à-vis quoi de... Oui, monsieur, faut avoir passé à l'auto-école pour le passer. Voilà. Non. Donc voilà, monsieur, on va vous raccompagner à la sortie et on vous souhaite une bonne fin de journée. Oh là là là. Même. Hé, hey, monsieur, la prochaine fois... Bon, j'attends qu'Interpol se lance sur la tablette, parce que... Ouais, monsieur. Ouais, t'en as pas un moment. Attends, il va peut-être se lancer. Et dans la voiture, ah, on s'est jamais. Marché. Ah, ça y est, c'est lancé. Ah, attendez, alors, je bouge plus. Ouais, non, il met 107 ans. Voilà, monsieur. Hop, bonne journée, au monsieur. Revoir. Soyez prudents sur la route la prochaine fois. Parce qu'en fait, on a beaucoup trop de criminels enregistrés dans Interpol, du coup, forcément, il rame à charger la liste de tout le monde. Il va supprimer ceux qui ont été exilés ou ceux que voilà, ouais, peut-être tous les mois il actualise quoi, il supprime. Faut faire du tout. Ah, c'est un peu compliqué. Attendez, c'est juste que j'arrive en seconde, attendez-moi. Vous pouvez me prendre dans le véhicule? Donc, YouTube, ça va être la fin de la vidéo, on va se laisser là-dessus. Micro désactivé. Comme si la vidéo vous a plu, vous invitez à liker et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur Terran. Si vous voulez rejoindre le serveur, c'est Terran for Life, toutes les infos sont dans la description. Que dire de plus. Tiens d'ailleurs au passage je salue monsieur Prodéote qui a rejoint nos rangs de la police depuis 2-3 jours, 3-4 jours ouais. Depuis samedi il est chez nous je crois. Il a fait une petite vidéo notamment en escorte là donc dans lequel il m'a fait un petit big up donc merci à lui. Et donc à nouveau big up à lui cette fois-ci. Donc voilà moi je vais vous laisser, on va repartir en patrouille tranquillement avec les collègues. Et moi je vous retrouve très bientôt, à l'heure où vous voyez cette vidéo je suis sans aucun doute en vacances ou sur la route des vacances. On se retrouve, donc je suis... pas réellement chez moi, il y aura donc un petit peu moins de vidéos sur la chaîne. Mais c'est pas grave, j'en ai prévu quand même d'autres en stock. Je vous souhaite donc de bonnes vacances d'été et on se retrouve très bientôt sur Terran for Life. Autre part, plus tard, c'est Jackie Mouron.